Le saint curé d'Ars racontait un jour, dans son catéchisme, à ses paroissiens le trait suivant. Mes enfants, un bon prêtre avait eu le malheur de perdre un ami qu'il chérissait tendrement. Aussi priait-il beaucoup pour le repos de son âme. Un jour, Dieu lui fit connaître qu'il était en purgatoire et qu'il souffrait horriblement. Ce saint prêtre ne crut rien faire de mieux que d'offrir le saint sacrifice de la messe pour son cher défunt. Au moment de la consécration, il prit l'hostie entre ses doigts et dit « Père saint et éternel, faisons un échange. Vous tenez l'âme de mon ami qui est au purgatoire, et moi je tiens le corps de votre fils qui est entre mes mains. Eh bien, Père bon et miséricordieux, délivrez mon ami, et je vous offre votre fils avec tous les mérites de sa mort et de sa passion. » Sa demande fut exaucée. En effet, au moment de l'élévation, il vit l'âme de son ami, toute rayonnante de gloire, qui montait au ciel. Dieu avait accepté l'échange. Eh bien, mes enfants, ajoutait le curé d'Ars, quand nous voulons délivrer du purgatoire une âme qui nous est chère, faisons de même. Offrons à Dieu, par le saint sacrifice de son fils bien-aimé, avec tous les mérites de sa mort, de sa passion. Il ne pourra rien nous refuser. Suivons le conseil du saint curé d'Ars.